Bienvenue à toi, le petit note qui sort de sa tanière tout sagement et qui vient rejoindre le stream de Monsieur K. Et aujourd'hui sur Big Game of Ski, on va enchaîner sur nos fameux streams de Shmup. Alors, un petit préambule peut-être, je sais pas. Je vais vous présenter aujourd'hui le jeu suivant. Si j'arrive à l'afficher à l'écran, bien entendu. Ah ah, il y a du gros pixel, hein. Oui, oui, il y a sa densité de gros pixels baveux. Alors, à regarder le produit, on se dit, tiens, petit vaisseau pur 80s. Effectivement, on se trouve en 1983, si ma mémoire est bonne. Et dans cette période-là, il y avait un titre qui avait fait parler plus que les autres de lui, c'était Xevious. Et on se retrouve donc avec Thunderbolt, un Xevious-like, qu'on va tester ensemble. Et puis voilà. Alors, le préambule, c'était surtout... ben voilà, Thunderbolt, c'est le nom de la boîte qui a développé le truc, bravo. Et Espial, c'est le nom du soft. Oh, le fail de début de stream. J'espère que vous avez bien enregistré. Donc, Espial, qui est donc un Xevious-like. Et la petite aparté que je voulais faire, en fait, c'est que ces jeux-là, aujourd'hui... Si on déteste y rejouer, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, les Xevious-like, vous pouvez demander à tout le monde, mais même les vieux gamers nostalgiques qui savent très bien de quoi ils parlent, qui pourraient vous raconter comment ils étaient capables de presque one-crediter le jeu, ils vous diront non, mais ça me fait chier de rejouer à ça, c'est clair, mais moi un autre jeu, s'il te plaît. Tout simplement parce que cette bombe qu'on lock pour défoncer ce qu'il y a au sol, bah, elle est tout le temps à distance égale du vaisseau. Donc, vous vous prenez la quiche régulièrement à essayer de verrouiller des trucs qui, en plus, ne restent même pas tout le temps à l'écran. Et c'est ce qui fait que, en fait, tous les Xevious-like, ça s'est vite calmé. Et on a progressivement remplacé le lock de cible autre que celle qu'on devait flinguer dans les airs par un lock-on automatique, ce qui semblait un petit peu plus décent. Hop! Alors, les gens se disent, mais c'est bizarre, la musique, elle a l'air super bien pour un truc 8 bits. Effectivement, ça n'est pas la musique du jeu. Comment vous vous êtes fait avoir, pauvre naïf? La musique du jeu, on va la voir tout de suite, et je pense qu'on va commencer à regretter. Voire même pleurer un peu de sang avec les oreilles. Je vais monter le son exprès, parce que je voudrais pas que vous ne partagiez pas ma douleur. Donc, vous voyez, déjà, je suis très, très content de m'engager dans cette démonstration. C'est ce que je vous disais juste auparavant. On y a joué, on en a chié. Maintenant, y revenir, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Oh, fuck yeah! Là, ça fait un peu bizarre après la musique d'intro que je vous ai mis. Alors, le bougre est vif, ça c'est bien. Oui, oui, je vais essayer de m'arrêter sur les points positifs essentiellement. Tiens, meurt, ça truc au sol. Chiant à verrouiller. Comme je disais précédemment. Toi, truc au sol, et voilà. Ah, par contre, il est sympa le jeu. C'est-à-dire que quand ils sont escamotés, ça me les compte quand même. Avec un pruneau dans les naseaux. Bon alors, contrairement à Xevious, eh ben, lui est vachement plus souple, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, vous relancez une partie de Xevious, je vous garantis que... Vous essayez de trouver n'importe quel prétexte, y compris une corvée, pour filer la manette à quelqu'un d'autre et vite vous barrer vers quelque chose qui sera tout sauf Xevious, quoi. Plus personne n'aime Xevious. C'est comme les Lada, quoi. Bon, c'est un mauvais exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, la franche camaraderie spatiale. Tout un programme. Ah, ça commence à s'exciter, là. Eh oui. La musique est super rigolote, par contre. Alors. Où est la mauvaise nouvelle? Non, je redémarre pas du début, ça va. Non, mais je me méfie avec ça. Parce qu'à l'époque, dites-vous bien que le checkpoint,
C'était un objet de dilemme avec la section marketing, donc un objet de dilemme entre les équipes de programmeurs, c'est-à-dire un mec, et les équipes marketing, c'est-à-dire un autre mec. Parce que si tu fais redémarrer le gars à des points réguliers, trop réguliers dans le jeu, ça veut dire que ton jeu, on arrive à le finir rapidement. Et donc, je vous laisse imaginer les prises de tête qu'il devait y avoir dans les réunions. Dans les réunions pour déterminer si effectivement on fait recommencer le joueur du début du niveau ou si on lui accorde tous les 340 millions d'années-lumière qu'il avance avant un nouveau checkpoint pour redémarrer de là. Et vous n'avez pas idée de comme ça devait être compliqué pour eux. Je me barre moi. Je monte en haut de l'écran. Je voulais ch chercher une issue quoi. Donc, le petit bilan, pour revenir quand même à l'essentiel, ce jeu, il est totalement jouable pour un Xevious-like qui a pourtant cette mauvaise réputation d'être une sinistre bouse aujourd'hui. Attention, j'ai pas dit qu'à l'époque c'en était une. À l'époque c'était un petit chef-d'œuvre. Mais les ravages du temps ont fait leur travail et voilà, aujourd'hui personne, comme je vous l'ai dit, ne veut rejouer à Xevious, et c'est normal. Et donc personne ne voudra trop rejouer à celui-là. Alors c'est pour ça qu'il ne sera pas validé, mais qu'il aura une place tendre et chaude, pas très loin de nos cœurs, dans la collection du fou maniaque de shooter. Oui, il faudra absolument qu'il ait cette ROM de côté, parce que c'est joli de revenir. On fait voir ça comme de vieilles estampes japonaises, voyez-vous. Sur ce, je vous abandonne. On se retrouve probablement pour un jeu de musique.